Gen ou parole qui dit comme ça. De pou pa gen maman ou tete grande. Juge Aldiniel dimanche qui demande pour la police m'arrête kou krab. Yon bon nèg qui nan corruption nan pays d'Haïti, yon bon volè, yon bon gagote. Parmi yo Joseph Michel Matéli, Jocelyn Privé, Laurent Salvador Lamotte, Jacques Guy Lafontaine, c'est même équipe là. Avec yon bon nèg encore. Tale kon sa, m'bral dou ki sa va laye réellement. Le juge Aldiniel dimanche, ouais, la police pa vle arrêter nèg sa yo. Comme c'est cocotte ak figaro ki oyé, ses amis et alliés et famille ki oyé. Mes amis, juge Aldiniel, ouais, la perdite dans le dossier, comme c'est patron yo, comme nèg yo c'est poisson crasé dans bouillon ki oyé, il va pas arrêter. Eh bien, juge Aldiniel dimanche, li écrit Interpol pour le rendre yon ti service. Tant pis, s'il vous plaît, pas perdre du temps. S'il vous plaît, marre pour moi. Jocelyn Privé, Joseph Michel Matéli, Laurent Lamotte, Jacques Guy Lafontaine. Marre pour moi parce que nèg yo a marron, yo pa vle vin jwenn moi. Moi invite yo, yo boude invitation. Moi mande pour la police nan pays arrête yo, yo di yo incompétent, yo di nèg sa ezanm yo et boss mwen yo, m pa ka arrêter nèg sa pour ou. Ou fait gros erreur. Oh oh. Comme nous disons, le bagage maman était grand. Juge Aldiniel écrit Interpol. Lui mandé, mare volé ça pour moi, mare gang pour moi. C'est au total 40 personnalités. Ancien président, Jocelyn Privé. Ancien président Matéli. Qui sont bandits illégales. Oui, lui assumé. Lui compte passer drogue. Oui, lui assumé. Li gagote l'argent Petro Caribea. Elle dit, mais qui ça le fait avec l'argent? Mais côté li lage l'argent? Mais côté li investil? Ancien premier ministre, Jacques Guy Lafontaine, nous connaissons très bien. Laurent Salvador Lamotte, n'examen. Zam en Israël, côté Zam Sayo. Jean-Henri Séan, Evans Paul, Elnex Jean-Charles. Ancien ministre, Roule. Willow Lalo Daniel Dosséville Marie Kamel Jean-Marie avec l'autre monde encore. C'est 40 personnalités haïtiens, monde qui dans politique pays nous, qui dans corruption. Juge la relé yo, yo pas venu. Femme ou bien raison pour laquelle j'atterre les moun sa yo, c'est à cause matériel CNE. Yo, pran yo. C'est quoi pour yo? C'est quoi bien ou le yo fait corruption dans CNE. Juge là, relé yo. Et au bout de l'invitation, juge là, kounya là, juge là, qui Interpol de sa yo. N'importe côté, Interpol ta jeune yo, pour marrer yo. Parce que, il était passé. Et. Franz LB Lord, pour te marier, pour te bali. Franz LB, comme c'est même allié et même corrupteur, il pas marié. Kounya la, juge la allemande de grand nom service, qui c'est Interpol, marié avec ça pour moi, pour te marier, pour toi, pour te ban moi dans le paquet. Pour me connaître, qui s'est passé dans le CNE, pour qui ça n'a pas gagoté l'argent d'État comme ça, côté l'argent ça, il faut nous remettre pays comme ça. Même tout dit nous, moi-même, yon jou ap jou. Yon jou ap gen justice nan peyi a quand même. Vle ou pas? Gen pil nèg la, nou wè ka flan nan peyi a la, yon ta supposé fermer dè barreau. Mais on connaît pas un pays. Les jeunes fè pays, nèg sa yo pap sou moun. Les jeunes fè pays, nèg sa yo pap lage et nan peyi a la pou flaner sou moun. Bon, juge Aldiniel, il change face là. Comme yo li wè, la justice dans le pays d'Haïti, pas ka arrêter nèg sa yo, li mande Interpol pour rendre notre service. L'autre information que j'ai pour là, dame ça sur écran,
son dame nous habite avec visage là. Ça qui arrive nous ka oublier nous. Mais li rele Eliande Tunis. C'est nom ancien et ancienne et haïtienne ça qui plaide coupable devant un tribunal dans Washington DC. Journée mercredi qui était 17 janvier 2024 là. Dame ça regarder là, il était jeune arrestation à cause ils sont monde qu'on a fourni base 400 marozo zam avec balle. Eh bien, il était arrêté dame ça. Eh bien, mercredi là, il était passé devant tribunal dans Washington DC, il plaidait coupable. Et ensuite, il admet que il était vendre groupe 400 marozo zam ça qui était facilité yo kidnapper 17 missionnaires américains, gen deux autres haïtiennes que non cité dans dossier ça tant que yo moun ki rele Walde Saint-Louis ak Jocelyn Dor yo même yo admet oui yo te voye gros zam fann fois nan pays d'Haïti. Madame Tunis te gen contact serré avec chef gang et Germinal Joly alias Yonyon malgré te nan prison pénitentiaire nationale, mais ça pas empêcher li communiquer avec Germinal Joly qui c'est yon gros criminel, yon gros kidnappé nan pays d'Haïti. Et pendant li tan dans prison pénitentiaire nationale, li still toujours ab diriger base 400 marozo. Pendant li tan dans prison pénitentiaire nationale, li still toujours boss en pile policier en dans prison. Pour te faire zam sa yo avec balle entrée dans pays d'Haïti, Eliot Tunis li te utilisé une stratégie. Tant coup, li prend zam sa yo avec balle, li mette yo en dans boîte. Tant coup c'est pépé. Tendez bien oui, tant coup c'est balle pépé avec boisson gazeuse la voye dans pays d'Haïti pourtant en dans boîte sa yo chargé zam. Moi même m'a comprendre qui j'en fait pour zam facile sorti dans pays États-Unis pour rentrer Haïti. Tandis que ou même ou te mette un canif dans proche ou pas ka sorti Haïti avec pour entrer dans pays États-Unis avec. Depuis là, il n'y a pas de temps. Mais, quand vous avez un sorti dans le pays États-Unis pour entrer dans le pays d'Haïti, c'est libre, c'est facile. Pas de checkpoint, pas de checker, pas de scanner boîte. C'est pour dire, nous, dans les affaires insécurité du pays d'Haïti, le pays États-Unis pour beaucoup. Et là, vous avez sorti dans le pays États-Unis, vous traversez en République dominicaine, vous atterrissez Haïti, bien facile. Mais, ou même par erreur ou ta gon canif nan pochou nan tout ce clé ou a voyager avec c'est sou fiel Amérique pour passer pour ta monter avion avec canif nan pochou depuis canif nan pochou ou ta représente un danger pour pays États-Unis y a bloqué y a maro si toutefois ça veut dire là zam avec balle facile ka sorti nan pays États-Unis pour entrer Haïti. Mais nous-mêmes, tu mets ton mot sur le bout de la poche, on gèle de bouillie, on rasoie, on va qu'à voyager avec elle. Faut quitter. Parce que, à ta bête de bain, ou représente ton danger, il va quitter mon avion avec elle. Mais je me pose la question, qui j'aime Madame Eliot Tunis, fait mettre les armes avec balle, l'emboîte. C'est un coup balle pépé ou bien boisson gazeuse, c'est stratégie ça li kon utiliser pour ka voye zam by Germinal Joly chef gang 400 marozo. Et me connaît la justice dans pays États-Unis il va serrer boulon Eliot Tunis parce que li avoué zam ça li te voye ya avec balio, c'est ça qui te facilite yo kidnapper 17 missionnaires américains.
Nous connaissons dans le dossier missionnaire américain que l'homme sans jour te kidnappé base 400 Marozo. Pays États-Unis lui prend ça en charge. Li garde ça gros. Gen pays qui j'ai arrestation déjà. Non même dossier ça. Et ça compte dossier ça, FBI était débarqué dans pays d'Haïti, yo prend Jamin Joli yo à la ville. Yo prend yo à la ville. Pas un gars grien. Ça c'est pays. De pour attaquer combattre yo. Ha papa. Y'a qui bien dit. Y'a qui beau dit oui. Femme tout là, hier là, t'as une grosse panique dans pays d'Haïti. Gros vent et gros mouvement qu'a fait là. Même là me garder mouvement changer face. Jean-Philippe t'es prêt voir pour t'a fait mouvement. Peuple va me comme ça. Peuple va dire comme ça pour Jean pays là, il va pas aller doucement avec PM Ariel Henry. Oh oh. Manchette non mais la rue bloquée, quand on trois boulé, bah grave. Oh. Ça me n'atou. Population prend la rue. Yo lok pays a. Yo lok li barricadé. Moto si ke même pas même ka passer. Allez voir pour machine. Nous connaissons dans Jérémy. PM Ariel Henry te prend disposition pour te changer cartel magistrat à cause li te organisé ou te participé, te contribué dans un gros levé campé qui te fait dans Jérémy. Eh bien, gouvernement Ariel Henry a li révoqué cartel qui était là et puis tout li nommé l'autre monde. Le placio qui c'est yon garçon avec des femmes pour ka gen contrôle Jérémy pour lui parce que Jérémy Ariel Henry s'est menté c'est sous fiel pour qu'il finisse passer pour qu'il contrôle Jérémy et le chef et bien malgré lui révoquer cartel là il remplace avec l'autre monde. Moun Jérémy dit, mais quoi maman, mais quoi papa PM, Ariel Henry sou capable, vin installer moun sa yo, ou nommé en tant que magistrat, intérimé. Tenez bien, même côté, peuple ou mes populations Jérémy, apprennent que Ariel Henry change quand elle quitte là, son natou, population, levé campé, yo mette di fi. Non, barrière principale, mairie Jérémy. Sous quoi menti, mais image là. Mais ni, nan gade là, ça c'est moun qui remplace yo. Ensuite, ça c'est barrière qui enflamme. Il va boule, mairie, nous connaît. Yo ba onti sinas. Yo vou un message. Pour PM Ariel Henry. Yo flambe barrière. Je vais regarder si je vais une image, je vais regarder sur grand plan. Mais, je vais regarder différents côtés. Tout le monde est enflammé parce que Goka, tu dis, Goka, tu veux te mettre devant. Mais, c'est Moun Jérémy qui boule Meria. Et, option ça, je vais faire connaître pour faire mille. Pour finir, parce que le gouvernement, chien sale ça, qui c'est. Qui n'a qui gagne tête li Ariel Henry pas de construit en rien pour nous pas pour ne pas ca à bouler. Tendez bien, yo dit Ariel sou gen graine tout bon vrai vin installer moun ou remplacer yo moun nom yo vin installer yo. D'ailleurs leader yo te dit même pas de leader yo c'est Guy Philippe il dit Ariel Henry révoqué cartel là lui même Guy Philippe lui pas il doit ça qui est Ariel Henry yé pour la prendre une décision comme ça pour la révoquer et puis remplacer qui est lié qui est ce qui va Ariel Henry mandat ça quand elle sort il tombe là pas qui bagarre comme ça. Et bien population vous connaissez des gens fâchés il a mis divé le boulé Meria. Les amis, écoutez quoi, Guy Philippe te dit nous pigan boule pour nous pigan crasse, ça fait là. Moi, Guy Philippe pas cagé les peuples là, il n'est pas capable non. Parce que Guy Philippe dit lui-même, c'est révolution silencieuse la fait. Pas qu'il crasse, pas qu'il brise.
mais il dit il pas courir pour monde, il pas courir sur monde. Si nèg courir sur lui, la courir sur tout. Mais il n'est pas courir sur lui, il pas courir sur monde. Et qui fait qu'a parler. Malé rendez-vous dans prochaine émission, m'ka vinn te ton l'autre dossier parce que nan mitan journée ça là, gen bagay qui va passer là. Et pour ça m'tande k'a passer dans la rue, pour ça m'tande k'a planifier dimanche k'a venir là, bakala k'a empirer. Malé rendez-vous dans prochaine émission, m'ka vinn te ton l'autre dossier Babi Channel ça. C'est pour production 69, m'a dit pour like, abonner. Pesez sur la justification, retirez sur personnage, mettez sur tout pour les nouvelles vidéos, pour partir. À 12 février 2008, la fait pour faire déclaration patrimoine à on a parlé de ensemble agent public, ni les a rentré dans poste là, ni les a sorti dans poste là. Et institution a allé plus loin pour le dire. La loi 12 février 2008 là t'est fin promulguée, n'a parlé là de loi sous déclaration patrimoine là. Monsieur Kassi, même j'ai un paquet l'autre sénateur, on pas qu'être l'autre député souvle, yote gagné jusqu'à 90 jours suivant article 20 disposition transitoire pardon loi ça, mais jusqu'à ce que mandat sénateur a fini, eh bien suivant donné ULCC lui-même ni recueilli, eh bien ancien sénateur pas jamais rempli formalité ça. En plus, avant deuxième élection comme sénateur de la République, ULCC rappelait que M. Kassi était consultant dans la primature. Et à ce titre, il était gagné obligation tout pour te déclarer patrimoine suivant disposition alinéa D, article 7, loi 12 février 2008. Là. Mais là encore, selon ULCC, Nenel Kassi était passé en bas pied prescrit légal. Il contentait seulement pour faire déclaration patrimoine de sortie li sans pas faire ça l'ta prendre ya sans pas faire déclaration l'ta prendre ya etc. N'attendez madame monsieur commission enquête la signaler guerrier on l'autre côté monsieur Kassi te fait même stratégie ça ou te utiliser même stratagème ça pour deuxième mandat comme sénateur. Donc, au mépris, bien entendu, des dispositions article 8.1, 8.2, loi 12 février 2008. Là, monsieur Kassi Tan, c'est le mandat fini. C'est le ça, il fait déclaration patrimoine de sortie sans que il n'ait pas fait ça, l'Elta Prentria. Bien entendu, selon ULCC, pour des raisons inavouables. Maintenant, pour besoin d'enquête là, attendez bien, oui, guerrier du seul. Investigateur ULCC, yo prend soin pour yo analyser minutieusement deux déclarations de patrimoine de sortie que M. Kassi fait. Et travail analyse ça, selon ULCC, lui permet, guerrier de sel, pour relever un certain nombre d'omissions. Qui ça blanc vle dit? Blanc vle dit que? Je dis blanc, pardon. Qui ça enquêteur, ULCC vle dit? Yo dit comme ça, yo relevé. On s'est eu de cas côté sénateur, même conseil de balie choisi pas dit. Par exemple, mais ça veut dire beau créole. Si dans déclaration là, moi gagné deux téléphones en plume. Et puis les mal fait déclaration là, me dit ah, j'ai seulement un téléphone Samsung en feuille blanche. Alors que mon iPhone bon plume. Donc dans analyse là, les regarder ça me dit avec ça me gagné, il y aurait que gagné deux éléments. Moi pas dit. Moi t'ai gagné la déclaration. C'est ça où il est. Commission, elle choisit passer le deux. C'est ça. N'a pas poursuivre guerrier du seul dans rapport ULCC. C'est pas nous qui parlons, non? T'as pris s'il vous plaît, c'est ULCC qui a parlé. ULCC dit, il relève tout un certain nombre d'inexactitudes dans les déclarations du patrimoine. Inexactitudes, c'est-à-dire que monsieur dit, effectivement, ok, je vais prendre un exemple. Donc, M. Gen doit dire qu'il y a un téléphone Samsung. Ça. Ok? Mais là, il a regardé où effectivement M. Gen. Mais si par exemple, pas c'est S22, pas M. Gen S22, M. dit qu'il y a un S7. Par contre, tu comprends, non? Réduit sous valeur. Ah, mais M. d'accord, c'est ça, oui, c'est ce qu'il dit. M. d'accord, par exemple, qu'il y a un Samsung, non? Mais s'il c'est S22, en réalité, M. dit, enquêtez c'est S20 ou bien S7, S10. Mm-hmm. Ah, dit le côté moins scrub. On a dit depuis le piba, la côté moins slage. Gars, vous comprenez rapide. Gars, vous êtes avec moi, papa.
N'a pas suivi. Il a cessé à continuer guerrier de seul. Il dit dans déclaration de patrimoine qu'il fait pendant le tap sorti en septembre 2022, les salles tap quitté fonction sénateur. Dans ça qui gain pour avec compte bancaire. Ancien sénateur Nenel Kassi, dans formulaire déclaration de sortie que il a rempli en 2022, il déclarait seulement deux comptes bancaires qui domiciliés dans BNC. Or, enquêteur ULCCO, yo rive découvrir à partir de documents yo joine bon côté institution financière yo que monsieur Kassi avec madame ni, madame Catherine Chéri Kassi, yo te possédé quatre autres comptes bancaires. Gayon qui dans Unibank qui libellé en dollars américains, numéro c'est 150-2016-00-374-2967. Gen trois autres comptes bancaires qui dans BNC. Parmi yo gen yon qui a enregistré son numéro 164-10-00-231 qui libellé en dollars américains ak deux autres numéros respectifs qui c'est 164-00-00-765 et puis 161-01-2086-3 qui libellé en good. USCC dit l'important pour faire remarquer dans déclaration de sortie que sénateur a été fait en 2015 là au terme de contrat comme consultant à la primature, monsieur Kassi t'es bel et bien mentionné compte bancaire qui domicilié à Unibank là. Mais dans ça concerne machine, sénateur Kassi dans déclaration patrimoine 2 avril 2015, il était mentionné que il gagne trois machines. Yon Nissan Patrol, il était mentionné que il gagne un Porsche et à Nissan Murano que l'on a acheté respectivement en 2006, en 2011, en 2012. Mais, dans la déclaration que l'on fait en 1965. Qui année? Si vous me dites année, je ne vais pas me dire année. Mais on dit, pourtant, je ne vais pas me dire année, je ne vais pas me pourtant, attendez bien, il y a du seul. Pourtant, les ULC, c'est Alfouye, Zona Kalalou. Le jeune sénateur a été possédé trois autres machines. Premièrement, le jeune sénateur a été une voiture Mercedes-Benz E300 de couleur beige, année 95, numéro moteur 606-910-12-009-280, immatriculé BB-02-054. Deuxièmement, le jeune sénateur a été une Nissan Patrol tout-terrain de couleur noire, année 2007, numéro moteur TD42-191-226, immatriculé OF00293. Et au joint sénateur, c'est un autre pick-up Isuzu de couleur bleue, année 94, numéro moteur 82-451-2, immatriculé TX5471. C'est un ensemble de faits selon ULCC qui établit sa ouélé d'abord fausseté. Avez dit by faux déclaration parce qu'il pas mentionné ça yo. Et deuxièmement inexactitude, je t'expliquer ça tout à l'heure, dans données ancien sénateur lui-même lui communiqué dans déclaration patrimoine de sortie que l'effectuait en septembre 2022. Donc ULCC aller plus loin pour le dire, monsieur Kassi doit faire objet de poursuite pénale pour fausse déclaration de patrimoine Jean article 17 loi 12 février 2008 là qui gagne pour avec déclaration de patrimoine par un ensemble de catégories de personnalités politiques, fonctionnaires et autres agents publics mandé ça. Yon l'autre bon. Commission enquête là dit li constater par rapport avec l'agent sénateur lui-même avec madame ni rentré, eh bien yo ouais patrimoine sénateur li augmenté de manière disproportionnée. M'a parlé français. Mais qui ça enquêteur dit? Enquêteur dit guerrier du seul. Là regardez revenu avait dit l'agent régulier l'agent normal avait dit yo connait comment emploi carré pas vrai oui si elle mène une enquête bon côté administration il y a pas de quoi toucher après ça comment qui sont fait encore mais on dit c'est celle radio Caraïbes ou gagne regardez il peut rentrer comme il y a pendant année il y a combien vous fait par rapport à radio Caraïbes et combien comme vous gagne la banque combien millions gagne on dit par exemple vous gagne deux jobs ou son businessman. OK, ou travailler à tête ou travailler à patrie. Avez une entreprise là. Donc on dit mais qui ça là, les mecs ça rentre comme l'argent. Par mois, par année. Yeah. Mais on y aller regarder, l'argent sont dit fait par année hein, avec quantité l'argent que vous gagnez sous compte ou bien vous gagnez comme bien. Et bien vous rendez compte que
eh bien l'argent ou rien li pas proportionnel avec son dit ou rentrer yo. C'est ça yo dit pour sénateur ay. Yo dit les regarder ça sénateur a gagné comme revenu légitime avec madame ni, yo estime que patrimoine ni augmenté de manière disproportionnée même bal force guerrier. C'est pas augmentation qui dérange qui était yo. Bon bon titre. C'est pas augmentation non qui dérange qui était. Comment ça dérange qui était yo? C'est que tout augmenté l'argent sénateur augmente ou bien sénateur augmenté c'est pendant nos amis les directeurs bien pas de là pour exercice 2016-2017. OK bien pas ah OK il était by il était référé monsieur il pas dit le contraire. OK n'a pas continué guerrier du seul. D'après information ministère économie et finance OK li communiqué by et enquêteur ULCCE qui gagne pour avec traitement salaire ak l'autre avantage que ou bay sénateur républicain revenu régulier que monsieur Kassi lui-même li percevoir chaque année pendant période sa guerrier du seul n'a parlé de période 2016-2017 là li pas dépassé 9,320,400 goud. Pour madame ni n'a parlé là de Catherine Chéri Kassi. Lè ou te fin nomel nan fonction publique là en 2016, li te gen droit suivant sa le déclaré ou bien suivant déclaration que sénateur Kassi li même li fait dans formulaire que le te rempli en 2022 à un salaire brut mensuel de 60,000 goud. Donc madame sénateur selon sénateur a travaillé dans fonction publique là ou bien li te intégré fonction publique en 2016 et les ça li t'a touché 60,000 goud. Okay. Salaire mensuel ça, il recevoir la titre de fonctionnaire, mais gon l'autre revenu encore de 60,000 goud que il te recevoir comme entrepreneur. Okay. Avec il t'a fait business, donc l'elle fin dépenser tout ça qu'il voulait dépenser pour business était en vie, il y a 60,000 goud qui vient pour lui personnellement, que il a décidé faire ça là avec elle. C'est pas moi qui a parlé, ULCC qui a parlé. Mais ULCC dit il faut yo signaler en 2015. Monsieur Kassi t'es fait état de un business qui fait faillite. Monsieur Kassi dit te gon dépôt boisson gazeuse qui était pour madame ni ou fait faillite avec business écrasé dans main. Dans même déclaration de sortie en 2022, il était clairement mentionné que madame ni était déficitaire en raison de situation pays, c'est-à-dire il dit comme ça en 2022 que madame ni pas fait business encore business écrasé parce que situation pays a difficile, il y a bloqué pays a toute journée, il y a insécurité dans pays. C'est Nadia qui a parlé, il y a eu un problème dans pays qui donc madame ni madame ni pas fait trop pas rentré corps pas rentré corps. Il a ça c'est dit de toute évidence, attendez bien madame monsieur, revenu régulier que ni madame sénateur Kassi ni sénateur Kassi pas de jambe qu'a expliqué sous aucune forme augmentation considérable sa patrimoine que commission enquête là lui-même li constaté pendant mandat sénateur Kassi en particulier pendant exercice fiscal 2016-2017 là. Puis ça dit faut qu'il précise patrimoine ça parlé à lui constitué de 5 propriétés bâties, avec des 5 gros cailles. De 4 propriétés non bâties, ça veut dire qu'il y a 4 gros terrains, 5 véhicules. Et ULCC dit, dans tout ça, faut qu'on ajoute tout, que le sénateur a acheté un bague en or et diamant qui a une valeur estimative de 6,800 dollars vet, que l'acheté bague ça en 2019, dans le moment où tu as bloqué le pays, je vous donne un bon titre. Il t'a marié, non? Il est pour mariage. Cadeau, comme cadeau. Hein? Comme cadeau. Il va être non cadeau, le sénateur fait comme. Combien de bagues là côté? Un bague en or et diamant. Guerrier Baba, toujours appeler ça pour moi, c'est pas moi qui parle. Oui, nous, c'est ça qui dit dans le rapport. Oui, elle, c'est ça qui parle. Un bague en or et diamant qui ont une valeur estimative de 6,800 dollars. Sénateur a acheté Bagza en 2019. Bon. Sénateur a gagné 3 montres de marque Rolex. Cartier. Ah, m'a vu une fait fly. Non, Max Agrégory, t'as l'air fait TikTok avec Baba. Et plein. Il y a un tag et puis, Mokvina a écrit H-E-U-E-R.
salive, dit Grégory. Ah, baron et moun qui branche modio. C'est tag et puis H E I E R. Si nous l'en allons. On a vu faire mon fait TikTok avec la papa. T'as entendu, je gaze et veille. Li fait HSA en 2019 et 2021. Rapport à la poursuivre pour dire. Trois mots de ça, on met ensemble. Ils ont une valeur estimative respective de 14 250 dollars américains et 3 400 dollars et 3 900 dollars américains. Je vais reprendre ça parce qu'il est important de souligner le rapport. Trois mots de ça, mais qui l'argent a coûté? On a parlé là de montres Rolex là. N'a pas là de montre Cartier, n'a pas là de l'autre montre m'a blessé dans le nom mais qui gagne tag et puis H E U E R là. Premier montre l'a coûté 14 250 dollars américains. Deuxième montre l'a coûté 3 400 dollars vêt compo. Troisième montre l'a coûté 3 900 dollars américains. ULCC qui a parlé, c'est pas moi qui a parlé. Commission montre là, montre sénateur à haut, sénateur Shelby monsieur n'a pas fini gap travail dit de quoi on parle hein. Mais ça qui est donné en 2000. Commission d'enquête là dit le constat en l'autre bord. Gon paquet de transactions bancaires qui réalisées sous compte bancaire monsieur et madame Cassi pendant période 2016-2017 là. 2016-2017, moi je voulais noter ça. C'est Patrick Noamé qui t'a dirigé BMPAD et moun qui t'a recommandé Patrick Noamé, c'est sénateur Cassi. Et à l'époque il a fait une défense de BMPAD, si bien qu'en 2018, ULCC dit Patrick Noamé doit poursuivre comme monde qui a blanchiment l'argent, comme monde qui a détournement bien public, qui a détournement l'argent. On continue pour nous dire. Pendant la période 2016-2017, là, je vais expliquer ça. La commission enquête a constaté qu'un paquet de transactions bancaires qui fait, qui réalisé sous compte madame et Mouché Kassi. Notamment sous compte bancaire numéro 150-2016-0037 et puis 42-967 là qui est libellé en dollars américains, compte ça dans Unibank et gon l'autre compte encore qui c'est 161-01-2086 qui est libellé en gold dans BNC. ULCC dit faut que préciser que jusqu'à 31 décembre 2015, avant Cassi t'es rentré comme sénateur, t'es rentré en fonction comme sénateur, solde compte bancaire 150-26-00-374-29-67 dans Unibank là, il était là-dedans 15 329 dollars américains. Cependant, 22 février au 3 mai 2016, c'est-à-dire environ un an, l'Elfin sénateur, commission a rendu compte que, sous base document que Unibank balio, total dépôt qui effectué sous compte ça, il atteint la somme de 43 900 dollars américains. Bon, me font-ils peser là? Me font-ils camper là? Commission a dit comme ça. Les sénateurs ont rentré en fonction en 2015, après élection 2015. Et ceci jusqu'au 31 décembre 2015. Contre ça, sénateur avec madame Nigain dans Unibank là, il a gagné 15 000 dollars américains environ. Pour être plus précis, 15 329,74 dollars américains. Eh bien, ULCC dit, entre 22 février et 3 mai 2016, la commission a rendu compte que, par rapport avec document Unibank Bayo, total dépôt qui est effectué, l'argent déposé sous compte ça pendant l'espace ça, février, mars, avril, mai, les sénateurs ont fait sénateur, en 2016, les a privé au président, bel pays, donc, ils jouent que, Il y a 43 900 dollars américains okay, qui allaient sous compte ça. Mais, et puis, pour le bagage qui est important, il dit comme ça que l'euro évalué comme ça par rapport à tout époque là, lui équivaut à 2 754 724 gold. On va dire qu'on peut la guerre, c'est un petit exercice tout petit. Pour si on a fait sénateur, dans disons 2 mois ou bien 3 mois, il fait transaction ça, il y a des comme ça. Vous pouvez imaginer qui ça fréquence la gare. Bon, lui, il fait sénateur. Du n'importe quoi.
Hein? Et frère. Non, m'a rappelé que la commission a dit. Commission a dit, le ministère des Finances, il garde tout ça au sénateur de la République. Okay. Pas aucune façon pour le sénateur de tout ça. Ok, ok. Et bien, je dis ça, non? La commission a dit, n'a fini guerrier. Cependant, sorti 22 février, arrivé 3 mai 2016, la commission a rendu compte que l'agence a lui-même déposé ou bien il a fait comme dépôt sous compte sénateur. Mais, la commission a parlé, il est important pour nous souligner, dans l'espace un seul jour, soit le 3 mai 2016, M. Kassi a effectué 4 dépôts différents qui équivaut à un montant total de $29,600, soit 1,837,274 gourdes, laisse à toi l'été 62 gourdes pour $1. De qui sa commission rend compte? Monsieur Kassi, eh bien, il multiplié le nombre de dépôts pour le capable, comme si soustrait le souvelé, ou bien pour le capable passer de côté, obligation, déclaration, côté le jeune cobla. Là. Jean la loi 11 novembre 2013 d'amende ça, n'a parlé de loi sous blanchiment, capitaux et financement terrorisme. Je vais m'expliquer mon ça, guerrier, c'est sûr. Nous allons finir, guerrier, c'est le rapport, n'a pas expliqué, je dis. Je vais expliquer mon ça. Commission a dit non, seul jour. Tendez bien, oui. Commission a dit non, un seul jour, guerrier du seul. Elle va jouer le 3 mai 2016. Monsieur Kassi effectuait 4 dépôts différents. 4 dépôts différents. Pour un montant de $29,600 non seul jour. Qu'on y a là, qui sa commission a expliqué? Commission enquête là. Il veut comprendre ça. Si monsieur T fait un seul dépôt, il est obligé de déclarer provenance fonds ça. C'est-à-dire qui côté le jeune cobla. Parce que la loi même qui fait. Pour dire côté client obligation ça. Il y a des quantités d'argent qui viennent déposer la banque. Faut qu'à dire qui côté le sorti. Faut capable de retracer l'argent ça. Et c'est loi 11 novembre 2013 là même. Sous question blanchiment et financement terroriste là qui fait une obligation ça. Eh bien, comme c'est là tu as lui-même comprendre ça, ils sont hommes. Bon, je me dis non. C'est économiste lié. Oui. Bon, son parlementaire au moins. Son parlementaire, c'est économiste. Il est là pour proposer, pour voter loi. Ok. Plus ou moins, il est au courant de loi ça. Au lieu de faire deux fois un seul coup, guerrier du seul, il fait plusieurs fois. Avec le dispatché comme là. Okay. Il a décidé de mettre un petit bas à la lue, il mettre un petit bas à la Pétionville, il mettre un petit bas à la Grissier. Au moins, frère. C'est une commission qui a parlé, pas moi qui a parlé. Commission a dit, guerrier du seul, faut que lui fait remarquer. Ancien directeur BMPAD, M. Patrick Nouramé, j'en sou dit là que sénateur Kassi était recommandé, il était exercé fonction ça pendant la période mai 2016 à avril 2017. Commission a dit le constater, pendant le même exercice 2016-2017, il y a des transactions importantes qui étaient réalisées sous compte 161-01-20-863 qui domicilié dans BNC qui libéré en goud là. Et dépôt considérable ça yo, sans garder derrière, yo dit comme ça, avec revenu régulier et pour Cassio, t'es effectué presque chaque mois sous compte ça. Nombre total dépôt yo, t'es atteint pendant l'exercice ça la somme de 29 628 449 goud. Donc, selon commission, ça qui pouvait gagner une disproportion avec revenu légitime et pour Cassio qui évalué souvelé pendant l'exercice ça à 10 103 751 good carrier du seul. Tendez bien, je voulais mon yo comprendre ça. Vous aimez là pour m'expliquer mon yo. Yo dit comme ça. Nan compte en banque yo gagne dans BNCA. Numéro 16101 patati patata. Dépôt qui fait sous compte ça, sans garder derrière. Son par contre compte l'agence a ressorti. Yo presque égal à 30 millions de goud. Pour être plus précis, 29 628 449 goud 42 centimes. Alors que pendant même exercice ça l'a gardé l'agent légitime revenu légitime et pour yo il est égal à 10 millions. Donc, il y a une différence pratiquement de 19 millions. Okay. Donc, c'est ça. C'est ça, les disproportions. Le côté comme ça, sorti. Côté comme ça, sorti. Par contre, si vous comprenez, 19 millions, ça. Si vous regardez l'agent business, si vous regardez l'agent Sénat, si vous regardez business madame, vous allez by X. Donc, si vous avez X plus, ou bien si vous avez 3 fois X,
yo ta même qu'on écoute plus ça sorti ou bien côté trois fois ça sorti. C'est pas moi qui parle guerrier diesel. M'a rappelé c'est ULCC qui a parlé. ULCC allé plus loin pour le dire. Pendant même période 2016-2017 ça. Précisément dans date 30 septembre 2016 à 3 février 2017, ancien sénateur Kassi effectuait deux placements dans Banque République d'Haïti BRH à Mounio Relé, obligation BRH là, pour un montant global de 15 millions de gourdes chaque bon BRH. Yo. Chaque obligation, si vous voulez. Placement ça a été opéré à partir d'un retrait de 15 millions de gourdes, il a été effectué le 30 septembre 2016 sous compte bancaire en gourdes 161-01-2863 dans BNC. ULCC va poursuivre pour le dire. Analyse transaction financière que vous faites sous compte 0154-2600-374-2967 dans Unibank là, qui libellé en dollars américains, avec sous compte 161-01-2863 dans BNC, qui libellé en good, qui appartenu à M. Nenel Kassia, lui permet que ULCC constate une augmentation substantielle, français qui a parlé, de patrimoine sénateur pendant l'exercice fiscal 2016-2017 là. Ça qui en net disproportion, nous expliquer ça par rapport à revenu régulier ancien sénateur. Vous comprenez pendant même exercice ça. J'ai même dit ça là, on parlé de 10 103 751 good. À propos, calcul que commission elle-même lui opéré permet que le constater pendant même période 2016-2017 ça. Patrimoine ancien sénateur Kassi li subit une variation à la hausse de l'ordre de 28,025,470 gourdes, soit une augmentation exponentielle de 277%. Pendant l'attente des sénateurs Kassi dans ULCC, M. Kassi était vraiment gain du mal pour justifier qui côté le joint augmentation ça pendant mandat lié, augmentation patrimoine lié, notamment pendant exercice fiscal 2016-2017. Explication selon ULCC que sénateur a été donné, te bail, commission enquête ULCCA, yo pas convainc enquêteur du tout. Et par conséquent, sénateur a laissé entendre que la plupart des transactions qui fait sous code bancaire yo, yo effectué donc compte à un lot à partir de revenus que l'État paye comme inspecteur douanier, comme sénateur de la République, etc. Sénateur a prétendu dans l'autre bord que la transaction qui pas faite avec la banque que réalisé, vous comprenez, yo sorti dans petit dépôt, vous comprenez, de valeur, de peu de valeur, avait dit qu'il pas trop valeur, petit l'argent, etc. que yo choisi déposer comme ça mais qui pas vraiment qu'à justifier. Cependant, déclaration ça yo, ULCC qu'a parlé, eh bien que mettre Kassi, me dit mettre Kassi, que monsieur Kassi fait, eh bien li souvle démenti ou bien département souvle avec données enquête ULCC en particulier données qui gen pour avec dépôt d'un montant $43,900 américains. Nous te parlé de ça sorti 22 février rivé 3 mai 2016 sous compte 0150 2016 00 374 967 domicilié à la Unibank. Donc déclaration Nenel Kassi yo souvle, yo département, tout au moins c'est contredit ensemble de gros dépôts que sénateur ensemble à madame ni fait presque chaque mois pendant exercice 2016-2017 là sous compte 161-01-2863 qui na BNC. Dépôt ça yo dans le montant total ce chiffre, j'aime tout dire ça là à 29,628,449 goud. Et au regard de tout ça, nous disons la guerrière de seul, la commission a estimé que M. Kassi, lui-même, n'est pas capable, souvler, m'a cité raisonnablement, justifier augmentation, m'a cité disproportionnée patrimoine par rapport à ça, le gain comme revenu légitime. Par conséquent, selon ULCC, sénateur a doué, eh bien, à répondre à la question de la justice, avait dit la justice doit poursuivre sénateur pour enrichissement illicite, Jean, article 5.2, loi 12 mars 2014, qui gagne pour la prévention et répression corruption. Et ULCC finit pour le dire. Il recommande que yon mette action publique en mouvement contre M. Nenel Kassi, identifié par son NIF 003
459-170-8, ça m'a cité tiré. Yon côté, pour fausse déclaration de patrimoine, Jean, article 17, loi 12 février 2008, qui gagne pour à déclaration patrimoine n'amende ça, bien entendu, par certaines catégories de personnalités politiques, de fonctionnaires et autres agents publics. Et mettez sous ça disposition article 107, 108, suivant code pénal haïtien. Et on l'autre côté, pour enrichissement illicite, mauvais l'argent, l'argent, sénateur pas qu'à justifier, on fait que disposition article 5.2,